Le premier départ de cette journée, bon départ pour Mauritius, A Million Dollar Man. Il y a Dunsey également bien parti, Wateki complètement en dehors, Secret Circle. Puis on retrouve Crushing Force et Arctic Flyer malheureusement qui n'a pas pris le meilleur des départs. Mauritius donc avec une bonne marge de manœuvre sur Dunsey, Million Dollar Man, Secret Circle, Crushing Force, Arctic Flyer et toujours Wateki en queue de peloton. Avec Mauritius qui entame très bien sa course. Pour une première course ici à Maurice, ça part bien pour le représentant de Sham Merchant. Attention derrière, Million Dollar Man est toujours là. Dunsey, Crushing Force va arriver en épaisseur. Arctic Flyer, Wateki pour l'instant en difficulté, tout comme Secret Circle. Mauritius est parti. Je ne pense pas qu'on va rattraper Mauritius qui débute de manière éclatante ici sa carrière mauricienne. Sans aucun problème devant Dunsey. Ensuite, on retrouve Million Dollar Man, Crushing Force, Wateki, Arctic Flyer et finalement Secret Circle. Démonstration, excellent numéro signé Mauritius. Voilà, je vous parlais de Walls of Dubrovnik. Voilà un Mauritius qui imite de manière remarquable son compagnon d'écurie. Encore bien, bien green. C'est un coursier qui a couru une seule fois dans sa carrière. Il saute le crossing, mais Santana a anticipé. Donc il a fait ce qu'il faut pour que le cheval ne soit pas débalancé. Il doit encore apprendre son métier, surtout sur les tournants. Mais voyez, en 0,20, la qualité est là. Il va s'imposer tranquillement, Mauritius. Une fois devant, c'était juste qu'il fallait prendre ce crossing un peu... correctement, on va dire, et à partir de là, l'expérience de Santana a également pesé. Mauritius s'envole à ses débuts pour l'emporter.